Bonjour à tous. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler encore une fois de bad USB, mais plus particulièrement de bad USB appliqué sur un téléphone Android et non pas pour faire des commandes une fois qu'il est déverrouillé, mais pour tenter de le déverrouiller. D'accord? Petit disclaimer sur la vidéo que vous voyez juste là. Donc, c'est des vidéos à titre uniquement éducatif pour vous permettre de bien comprendre la sécurité de vos différents devices et non pas pour attaquer des devices qui ne vous appartiennent pas. Ça, c'est mon ancien téléphone, c'est un Asus Zenfone 5, d'accord? Qui sera la cible aujourd'hui de cette attaque pour voir s'il peut résister et voir si l'attaque bad USB est possible. Le bad USB, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est juste avec des scripts ou une clé USB Rubber Ducky ou un Flipper 0, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, bien évidemment, d'être capable de brancher en USB cet appareil-là à un autre appareil qui va nous permettre, pourquoi pas, de jouer des commandes. Et ces commandes vont nous permettre de faire des actions au téléphone de manière ultra rapide, plus que si nous le faisions à la main, voire de manière très discrète. Si vous le branchez, par exemple, sur un PC qui est déverrouillé, vous pouvez voler les credentials Wi-Fi ou ce genre de choses, par exemple. Ici, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est est-ce que ceci est capable de faire un brute force. Donc, qu'est-ce qu'un brute force? Un brute force, c'est essayer toutes les combinaisons possibles pour un code secret, mot de passe, etc. Donc là, les codes PIN sur un téléphone Android, donc des chiffres, d'accord? Est-ce que c'est possible de le faire de manière automatisée avec le Flipper 0? Et est-ce que c'est viable comme attaque? D'accord? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'en ai vu pas mal sur Internet, où les mecs font des vidéos de fou, où ça trace à fond, et en 30 secondes, paf! Il y a le code 1, 2, 3, 4 qui pop. Alors, j'avais fait un short qui a été supprimé par YouTube parce que j'avais oublié le disclaimer dedans. Donc, c'est de ma faute, tant pis, ça arrive. Ou moi, sur mon téléphone de base, bah, ça ne marche pas. Et on va voir comment j'ai réussi à faire fonctionner l'attaque sur ce téléphone. Parce que oui, ça marche. Oui, j'aurais sûrement un fail dans la vidéo. Je pense que le fail, c'est le pied du téléphone qui est là. Voilà. Donc, on va aller voir ce que c'est. On va surtout se concentrer donc sur ce téléphone, c'est un Android 9. L'attaque que je vais vous démontrer aujourd'hui fonctionne sur un Android 13-14, parce que j'ai un Pixel 8 et ça fonctionne très bien dessus aussi. D'accord. Mon smartphone, c'est un smartphone Android Asus Zenfone, donc avec une surcouche Asus, qui a quelques particularités, notamment sur ce téléphone-là, sur cette surcouche-là. Alors, je ne sais pas si c'était, je sais pas chercher, dédié aux Android 9. Mais alors je vais déjà enlever ce vilain disclaimer. On va revenir sur la caméra qui va arriver là. Voilà. Donc typiquement sur ce téléphone, quand je faisais le nombre de bons digits, donc là j'ai ralenti, j'ai réduit, j'ai mis 4 digits. Par exemple, j'avais 4 digits. Il va valider automatiquement la saisie, parce qu'on n'a pas le bouton valider. Qu'on a par exemple sur un Pixel 8, sur Android 13 et 14. D'accord? Donc, ça, c'est première chose. Il va vraiment falloir vous adapter à votre téléphone. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé plusieurs scripts. Alors, le script qui est là. Donc, je vais recouper la caméra 30 secondes. Moi, j'ai testé ce script-là qu'on trouvait beaucoup sur des shorts, des réseaux, sur d'autres vidéos, Insta, Twitter, etc. Mais il disait, ah, ça marche nickel. Bah non, ça ne marche pas du tout. Enfin, en tout cas, sur mes téléphones, ça ne fonctionne pas, mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. De toute façon, le mec l'a dit, hein, c'est testé sur Android 4.4. Donc, entre-temps, ça a eu beaucoup d'évolution. D'accord? Et donc, moi, on m'a dit, ton délai qui n'est pas bon. Donc, j'ai augmenté mon délai. Puis là, on était à 500 millisecondes, donc j'ai mis un délai de 1 seconde. Marche pas toujours. Donc là, j'étais parti sur le no-hunter, parce que sur mon téléphone, pour rappel, il valide automatiquement dès qu'il a 4 digits. Marche pas non plus. Donc je poussais à 6 secondes 5. C'est un peu énorme quand même. Marche pas non plus. Donc, tout ça ne fonctionne pas. Ok, alors comment on va réussir à faire fonctionner ce truc? Je me remets là. Donc la saisie était trop rapide, donc c'était le premier script, c'était un fail complet, d'accord? Après les autres scripts, je me suis rendu compte que pour tester, de toute façon, ce qui était mieux, c'était, donc ça, c'est un récepteur d'un vieux clavier USB que j'ai, je vais le mettre sur mon téléphone, voilà, donc je vais prendre mon vieux clavier
ici. On va faire plusieurs fois la touche 5. Voilà. Donc là, il a tout validé. Et puis, ben, je me suis baladé avec mon clavier. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, oh, en faisant des tabulations, je pouvais me placer sur les touches. En faisant beaucoup de tabulations, je pouvais revenir dans ma zone de saisie. Oui, parce que le premier truc qui ne fonctionne pas, et on va le tester tout de suite. Donc, je vais reprendre mon flipper 0. Je vais le brancher. Je vais le mettre là. Veillez aussi à avoir des bonnes connectiques, de bons câbles. Je le répète, ça change vraiment beaucoup de choses. Alors, pour info, le bon code du téléphone pour le test, c'est 1, 2, 3, 4. D'accord? Je vais le faire, je vais le déverrouiller de temps en temps, parce que sinon, après, ça ne marche plus. Donc, sur le flipper 0, je vais mettre en bas du USB. Alors, je ne l'affiche pas comme je l'affichais avant. Je suis désolé, indirectement, depuis le PC, mais parce que ça ne marche pas. Donc, on va prendre, par exemple, un premier, un délai pin. Votre force. Donc, on prend celui-là. Délai d'une seconde. Et vous allez voir quel est le problème. Alors, déjà, hop. Je précise une chose. Le téléphone n'est pas un téléphone qui est en mode développeur Android. Donc, c'est un téléphone que vous trouvez, ça peut fonctionner. Donc là, je vais run le code. Regardez bien le téléphone. 4, 3, 2, 1. Pas de problème. Il a joué le premier code. Là, il est censé jouer les autres. 1, 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 3, 4 fois 4. Vous voyez, sur le téléphone, il se passe absolument rien. En fait, le fait, ce n'est pas que la saisie est trop rapide. Le fait, c'est qu'une fois qu'il a run le premier code, sur le script qu'on avait, là, le top 65, je vais l'arrêter, il perd le focus. Et donc, en perdant le focus, pour lui, impossible de renvoyer la saisie correctement. D'où la connexion avec mon clavier USB pour essayer de me poser sur le focus. Parce que s'il y a une touche magique ou pas, etc., comment on va faire, systématiquement, un code, une perte de focus. Pareil sur le Pixel 8, un code, une perte de focus. Donc autant dire que si je dois faire autant de scripts Robert Ducky que de combinaisons possibles, j'ai autre chose à foutre. D'accord? On a autre chose à faire, pardon. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai essayé de trouver une autre solution. C'est ce que je mettais dans mon short, si vous avez vu. L'autre solution, c'est qu'on va essayer de corriger ce problème de focus. Donc pourquoi j'ai ce problème de focus? Donc j'ai pris mon clavier et je me suis rendu compte, vous avez vu, qu'avec la touche tabulation, je pouvais me déplacer. Et en me déplaçant avec la touche tabulation, j'ai compté le nombre de fois où je me déplace. Donc typiquement, on va brancher ça. Donc là, je vais redéverrouiller, je vais faire 1, 2, 3. Je fais mes 4 chiffres et là on va compter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Ah, voilà. En 9 touches, ou 10 touches, j'arrive sur ma zone de saisie. Donc on va recommencer. Donc 1, 2, 3, 4. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10, je peux refaire une saisie. Donc maintenant, je sais le nombre de tabulations qu'il me faut pour retourner dans ma zone de saisie. Première chose qu'on va réussir à casser. Deuxième chose qu'il faut faire attention, les téléphones Android, comme on l'a dit à juste titre, c'est que le temps de réponse n'est pas un vrai clavier. Donc à un moment donné, il a un peu de temps de latence. Donc il faut bien ne pas oublier de mettre un délai de 500 millisecondes. D'accord? Et le problème qu'on voit beaucoup dans les scripts, ou du moins dans le script top 65, c'est qu'on envoie toute la chaîne des 4 chiffres en une fois. Et pendant mes tests, j'y ai passé quelques heures quand même, on voit bien que par moment, eh ben, il y a 3 chiffres qui arrivent. Et s'il y a 3 chiffres qui arrivent, ça casse toute la chaîne du script. Donc c'est la misère. Alors qu'en mettant, en envoyant les caractères un à un, ben, ça marche nickel. Donc, ce que j'ai fait, alors déjà, je vais le redéverrouiller. Voilà, je vais le reverrouiller. Je vais remettre mon flipper. Tac. Là, je vais aller chercher le fichier qui s'appelle tabDelay. Voilà. Je le mettrai sur mon GitHub. Comme ça, vous pourrez le retrouver pour tester sur vos Asus Zenfone si vous en avez. Ou sur vos autres téléphones pour voir que ça ne fonctionne pas parce que c'est spécifique. Voilà. Donc là, je vais le run. Donc là. 4, 3, 2, 1. Là, il fait une saisie touche par touche. D'accord? C'est super important. Après, il va se repositionner sur la zone de saisie. Et là, il renvoie. 1, 2, 3, 4, 1. OK. Code suivant. Pareil. En fait, quand vous voyez, il ne fait rien, c'est qu'en fait, les tabulations sont jouées et qu'il se déplace doucement.
et revient sur la zone de saisie. Hop, on remet dessus. Toujours pas le bon code. On continue. On se déplace doucement. Paf. Et il y a une autre chose qu'il faut savoir sur les téléphones Android de base, au bout de 5 tentatives de code raté, on va nous demander d'attendre 30 secondes. Ces 30 secondes, c'est pareil. Si vous attendez 30 secondes comme un imbécile là, avec. Donc là, vous voyez, moi je me déplace et je spamme la touche 1. Parce qu'en spammant la touche 1, je vais pouvoir conserver le focus du clavier. Parce que si je ne fais pas ça, au bout de 5 ou 10 secondes, l'écran se rééteint et du coup, on n'a plus rien. C'est un peu l'astuce du chef pour dire en faisant ça, en spammant la touche 1, quasiment jusqu'à la fin, à un moment donné, je vais m'arrêter. Voilà, là je me suis arrêté, j'ai fait la touche up pour remonter. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est pas, enfin, 4 fois 4, c'était pas ça. Et maintenant, je vais mettre 1, 2, 3 et 4, qui est le code PIN. Et voilà, c'est déverrouillé. C'est-il pas beau? Alors par contre, il ne faut pas oublier de stopper, parce qu'il se redéplace avec la tabulation après sur le téléphone. Donc ça fonctionne. Ça, c'est une vidéo, on a 11 minutes de vidéo. Moi, ça m'a pris 3 semaines. Bon, j'ai pas passé ma vie non plus, hein, mais ça m'a pris 3 semaines pour trouver ces astuces, voilà, de tabulation. Et avec cette astuce de tabulation pour vous reposer sur le focus, vous êtes capable de vous reposer sur n'importe quelle interface de saisie de mot de passe d'un téléphone Android. Ça peut paraître inquiétant. Par contre, vous avez vu, là, on a testé 6 ou 7 possibilités. Ça a pris quand même un peu de temps. On a le délai de 30 secondes. Après, il y a des gens qui vont pouvoir. Vous pouvez sécuriser votre téléphone qui, au bout de 10, à 10 échecs, vous allez avoir une suppression complète de vos données. Après, vous avez d'autres personnes comme moi qui utilisent la capacité que nous laisse Android à ne pas avoir seulement 4 digits, mais jusqu'à 6. Sur ce téléphone-là, c'était limité à 6, donc j'en avais 6. Et après, on peut en avoir encore plus. D'accord? Donc, à mon sens, pour conclure, il y a un vrai problème de performance. D'accord? Parce que si vous voulez tester un code PIN même à 4 chiffres, ça va être super long. Donc ça peut se faire. S'il y a plus de chiffres, si vous ne le savez pas, qui va entre 4 et 8 par exemple, voire 12, ça va être ultra long, d'accord, de le faire comme ça. Pensez bien à couper vos scripts, parce qu'il va falloir charger le téléphone à un moment donné, tout simplement. Ni plus, ni moins. D'accord? Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le Flipper Zero serait capable de charger un script aussi gros que ça. Voilà. Autre point d'attention, donc là je l'ai fait sur la Z Fold pour les tabulations. Quand vous allez avoir un téléphone, genre un Pixel 8, qui n'a pas de surcouche, parce que c'est directement Android 13 et 14 qui sont dessus, et ben, ce qu'il va faire, c'est que le nombre de tabulations ne va pas être le même. Donc il faut adapter vraiment votre nombre de tabulations au téléphone, à votre téléphone. L'idéal, c'est quand même de vous prendre un connecteur. J'ai pris ça, mais vous pouvez prendre un UEFI comme on avait vu, hein, sur notre vidéo. Vous prenez un vrai clavier USB, vous le branchez sur votre téléphone et vous testez. Première fois, vous faites une saisie un peu à la Walou, 4x4 par exemple. Vous faites entrer. Si ça marche pas, donc OK. Et vous faites une autre tabulation pour revenir sur la zone de saisie. Une fois que vous êtes dessus, pour tester, etc. Je vous invite vraiment aussi à bien découper comme je l'ai fait. Donc, j'ai coupé ça parce qu'on n'a plus besoin. Comme j'avais fait sur la zone de saisie. Et là, je me rends compte que j'ai perdu mon script, que je suis allé cacher quelque part. Voilà, je vais remonter ici. Donc, tac, là, c'est le fichier que j'ai utilisé, le tab delay. D'accord? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, le tab delay qu'on a utilisé dans la vidéo, donc, il attend une seconde pour la première saisie. D'accord? Il envoie un 4. Il attend 500 millisecondes, il envoie un 3, il attend 500 millisecondes, il envoie un 2, etc. Parce que si vous faites comme ça, 4, 3, 2, 1, 4 fois 1, etc., au bout d'un moment, le téléphone, il a sa consommation de mémoire, etc. Il n'y arrive plus à gérer, et du coup, vous allez avoir seulement 3, 4 qui vont arriver. Le dernier 4, ça n'a pas pris en compte, ça va faire une autre touche qui n'était pas prévue, du coup, ça casse toute votre dynamique de test. Donc, tout ça. Ici, j'ai mes différentes tabulations pour me repositionner correctement dans ma zone de saisie une fois que j'ai fait entrer, d'accord? Et pareil, après on rattaque, caractère par caractère, caractère par caractère. Donc là on attend. Là c'est le moment où on va aller se placer sur le chiffre 1 pour aller regarder le focus, d'accord? Donc là, tout ça
ça me sert à aller au chiffre 1. Et une fois que je suis sur le chiffre 1, je fais entrée. Je spamme entrée comme un cochon. Et le fait de spammer la touche entrée du clavier va envoyer la touche 1 pour qu'on arrive au-dessus de la zone des 30 secondes. Donc on attend, je le fais à peu près sur 28 secondes. Après, on fait juste hop. Le fait de faire hop me renvoie sur la zone au-dessus, qui est la zone de saisie. C'est nickel, c'est parfait. Sinon, je suis obligé de faire des tas pour faire le tour. C'est très long parce qu'on part de très loin. En fait, on est obligé de faire les 10 chiffres du clavier, plus ceux qu'on ne voit pas, plus d'autres qu'on ne voit pas. Et en fait, on se retape un timeout de l'écran. Et du coup, c'était compliqué. Donc, le fait de faire hop nous permet de remonter. Et c'est parfait. On arrive en haut, nickel. Et après, on rejoue lettre par lettre, enfin, chiffre par chiffre, bam, 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 bam. Donc, vous voyez que si jamais vous avez quand même des codes PIN au-delà de 4, même à 4 déjà, je trouve que ça va être très long. Contrairement à plein de vidéos que j'ai vues. Alors ça marche peut-être sur d'autres, hein, sur d'autres smartphones, mais moi sur les deux que j'ai, un Android 9 et un 13 et 14, ça ne marche pas. D'accord? Si je suis obligé de faire comme ça, en faisant comme ça, par contre, oui, ça fonctionne. C'est long. C'est très long. Donc voilà, c'est le premier gros bémol là-dessus. C'est très long. Est-ce que c'est une attaque qui est réaliste? Oui, je pense que si quelqu'un a vraiment envie et le temps de chercher votre code PIN, ouais, s'il a votre téléphone. Qui vous l'a volé, par exemple, oui, c'est un risque. Maintenant, sachez que vous avez le temps, je pense, avant qu'il le déverrouille, sauf coup de chance. Hein, vous avez mis votre date de naissance ou un truc comme ça, par exemple. La naissance de vos enfants, hein, genre de truc qu'il ne faut pas mettre, hein, je vous le rappelle. Voilà, sauf coup de chance, vous avez quand même le temps, normalement, de vous retourner, de changer tous les accès, de voir de bloquer votre téléphone, voir s'il était connecté à Internet, de l'effacer à distance, c'est encore mieux. Moi, j'utilise Kaspersky sur mes téléphones, ce qui permet, si jamais je me fais voler mon téléphone, je me connecte à la console Kaspersky depuis un PC et j'érège le téléphone à distance. Voilà. Au pire, je n'ai pas de perte de données, j'ai perdu un téléphone, je suis assuré pour. Ok, ça marche. Voilà. Aussi, il ne faut pas oublier que sur vos téléphones, vous pouvez, alors c'est par défaut, je crois maintenant, configurer l'obligation de déverrouiller le téléphone pour pouvoir couper les accès. Voire le mettre en mode avion, par exemple, couper le Wi-Fi, etc. Moi, c'est ce que je fais systématiquement. Vous ne pouvez pas désactiver le mode avion, couper la 4G, couper le Wi-Fi, le Bluetooth si, et les GPS si jamais vous n'avez pas déverrouillé le téléphone. Donc voilà, comme quoi c'est possible. C'était un petit peu long à produire, à faire, mais j'étais persuadé qu'on pouvait arriver à brute force. Ce code PIN du téléphone, il suffit juste de retrouver ce petit trick pour remonter en haut, pour reprendre la saisie. Et vous voyez, là, ça marche super bien. Le script, je l'ai lancé une dizaine de fois de suite sur le téléphone. C'est régulier. C'est ça aussi le fait de le découper, hein, comme je le montrais ici. Le découper là, c'est ce qui rend de la régularité à votre script. Voilà. Et bien sur ce, je vous remercie, n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques ou quoi, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Le petit pouce pour dire merci. Le commentaire, j'essaie d'y répondre toujours et encore. J'ai activé les souscriptions pour ceux qui auraient envie de faire une souscription. Je réfléchis aux avantages que je pourrais vous proposer en tant que souscription. N'hésitez pas à faire des propositions. On va avoir toujours de plus de monde sur le Discord. Le Discord, on l'a un petit peu en plus pas mal fait évoluer parce qu'on a au niveau du Discord, ici, on a ajouté pas mal de catégories, voilà, dans NFC, SubjiGuerre, etc. Enfin, bref. Oui, j'ai activé le mot streamer. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à commenter, à participer. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!